So you think it will be a decision? Well, the problem is, je n'ai cité personne dans mon pays. Maintenant, là, il faut savoir pourquoi vous n'avez pas cité le nom de M. Marcel, d'après lui, ceux qui ont tous passé ici, M. Marcel. Parce que, monsieur le président, parce que je n'ai pas eu des éléments comme quoi il était au stade. Bien. Avez-vous connu M. Jean Marie? Parfaitement, oui. C'était un nom de la maison. Je ne connais pas ça. C'était un nom de la maison. Bien sûr, oui. Je suppose que vous aviez un image de vous donner une confiance en lui. Oui. Je suppose qu'à l'image de vous donner une confiance en lui. Il ne l'a pas imaginé, il
tiennent ces déclarations-là, je veux dire que les religieux étaient plus grands et qu'ils avaient un côté également. Je crois qu'ils disent qu'il était question que j'envoie des éléments. N'est-ce pas, monsieur le procureur? Il était question que j'envoie des militaires. C'est la question. La troupe. La troupe. Alors, je dis bien que si il a dit que paix à son âme, ça n'engage que sa pensée à l'époque. Parce qu'en matière de procédure pénale, criminelle, ce sont des faits. S'il le dit, s'il l'a dit, c'est en fonction de ses analyses que je ne peux pas me reposer. Mais dans la pratique, tel n'a pas été le cas. Je n'ai jamais envoyé des éléments stables de ce temps, aucunement pas. Bien. Aviez-vous vu un entretien avec les leaders religieux, le Seigneur Gomez, de l'Église anglicane et l'imam de la Grande Mosquée Faisal, la différence? Oui, effectivement, j'avais eu des rencontres, c'était par rapport à la manifestation avant de je voyage sur la route. Et M. Jean Marie de Gagnon, qui a son âme, était le porte-parole. L'objectif de la rencontre avec les leaders était de leur demander plusieurs de leur influence pour reporter la manifestation, n'est-ce pas? Oui, l'objectif était pour le report de la manifestation de la date, en fonction de la date historique, qui était déjà là. C'était le objectif pas pour l'annulation de la manifestation, mais c'était par rapport à la report. Parce que non pas, ils sont d'accord, mais ils ont rencontré. Le représentant des forces de la nation, celui qui parlait en leur nom à l'époque, M. Jamal Touré, ils n'ont pas trouvé un croisement de tel micro favorable par rapport au rapport. Alors, le meeting a eu lieu, il y a eu des sens. Les forces de l'ordre étaient sous votre autorité, c'était votre contrôle, et carrément j'ai eu. Est-ce que vous ne pensez pas? Vous devriez user de tous les pouvoirs que vous avez en ce moment, serait-ce que pour arrêter le carnage dans un autre temps, ensuite faire en sorte que ceux qui se sont rendus au stade soient interpellés, mis par la disposition de la justice. Personnellement, moi, et c'est
Non, pas que je n'ai rien fait, mais je dis bien, monsieur le procureur, je dis bien, lorsque quelqu'un de temps vient de dissuader. Oui, j'ai pas dit ça. La finalité, c'est que vous n'avez rien fait. Donc, dire que je n'ai rien fait, ça suppose que je pouvais faire quelque chose, mais je n'ai rien fait. Oui, c'est ce que vous avez fait concrètement pour arrêter le carnage, c'est que je veux savoir. Arrêter le carnage? Mais le carnage était déjà effectué, monsieur le procureur. Le carnage ne s'est pas effectué seulement pour demander du canard. Quand vous saviez l'information, les gens étaient en train de dire. Et les heures qui ont suivi, les tirs ont continué. À partir du moment où vous avez reçu l'information, qu'avez-vous complètement fait? La question est claire, monsieur le procureur, la question est claire. C'est-à-dire que, au moment où j'ai reçu des informations, comme quoi il y a eu quand même tabac, les faits étaient déjà détruits. Les faits étaient déjà accomplis. Un fait déjà qui est accompli. Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher des gens qui sont partis au stade sans votre autorisation et vous apprenez qu'il y a eu des cas de mort? Les faits étaient déjà accomplis, monsieur le procureur. Je retire le tout dans la question, monsieur le président. La seconde question, c'est de savoir pourquoi, dans ce cas, vous n'avez pas œuvré pour que les personnes, les noms que vous avez cités, que ces gens-là soient entre les mains de justice pour les bons par rapport aux faits qui se sont commis. D'abord, quand les faits se sont produits, la première réaction que j'ai eu à faire à la question, c'est vivement réagir. Que c'est une raison et demander le temps de préparer du ciel par après que ce retour au stade. Aussitôt j'ai dit que je vais être arrêté, j'ai pris cette décision. Et si vous appelez le premier à mon privé, c'est entre temps la décision prise qu'il fallait arrêter. Ce jour il n'est pas venu. Et le jour où je l'ai vu, il est venu armé jusqu'au nord. Donc, les gens que j'ai envoyés l'arrêter m'ont dit, en voulant l'arrêter, plus il a des armes, plus ça m'a armé, il aurait eu des dégâts collatéraux. Alors, ceci étant, j'ai saisi automatiquement les Nations Unies. De la communauté internationale, une commission d'enquête internationale. Et à l'interne, une commission nationale. Afin que cette communauté internationale puisse venir au pays et faire le travail de la justice. Et j'estime que c'est ce qui a été fait. Alors, je ne pourrais pas en même temps procéder à une arrestation. Du moment que j'ai fait appel à la communauté internationale, ce serait maintenant la justice moi-même. Ou moi-même je suis questionné par cette communauté internationale. Donc, la commission nationale de mon pays et la CPI ont fait leur travail. Je pense que c'était la meilleure façon vraiment de procéder à une enquête et afin qu'il y ait une solution et qu'il y ait des coupables. Je suis satisfait par rapport à cette question. L'autre organisation. Vous avez indiqué au tribunal que vous aviez demandé la mise en place de deux commissions. Une commission d'enquête nationale et une autre à l'échelle internationale. Je ne veux pas faire ça, ce
la commission d'intervention. Toute mon intervention sera axée sur la commission d'intervention. C'est vous qui avez les données pour qu'elle soit mise en place ensemble. Tout à fait, monsieur le procureur. Vous avez eu un entretien avec les éléments de cette commission. Oui, monsieur le procureur. Et a produit un rapport. N'est-ce pas? Bien sûr. Vous avez foi au travail de cette commission, n'est-ce pas? Et le travail qui fait, et le résultat de ces travaux, ils n'ont plus trouvé vos affaires. Mais, à ce que je cherche, si je n'avais pas confiance à la communauté internationale, à ce pays, je n'allais pas le faire appel. Bien. Alors, je vais vous dire quelques passages. Dans ce rapport de la Commission d'enquête internationale. À la page 46, le deuxième paragraphe, la Commission dit ceci. Dans l'analyse des éléments de stage, le président a déclaré en public. L'aspect le plus choquant est que j'ai essayé de moraliser et de sensibiliser les leaders politiques, leur disant qu'il y a eu des cas similaires dans le passé et que je ne veux pas que la même chose se reproduise. À plusieurs reprises, le président a utilisé, a attribué, je m'excuse, la responsabilité des événements aux leaders politiques qui ont organisé une manifestation subversive, préméditée ou une insurrection. Il a déclaré que les leaders politiques étaient responsables d'avoir envoyé les enfants des autres à l'abattoir. C'est comme ça que ce texte résulte bien de votre entretien avec le président de la Commission, n'est-ce pas? Oui, c'est extrait. Mais il faut savoir la vérité, M. le procureur. Ça résume bien de votre entretien. Absolument, M. le procureur. Je vous suis. Je vais poser une question. Il faut savoir la vérité dans ce pays. On ne va pas avoir la peur, la faute, autrement ce pays ne va jamais s'avancer. Ce que j'ai dit, c'est clair, j'ai bel et bien dit qu'on a eu des cas similaires et c'est ce qui fait que le pays est toujours instable. Je l'ai dit. Jusqu'à nouvel ordre. Je réitère ce langage. Et par la manipulation aussi, les hommes assoiffés de pouvoir. Qu'avez-vous voulu dire? En employant des expressions que les leaders politiques ont envoyé des enfants des autres à la victoire. Qu'avez-vous voulu dire? J'ai voulu dire simplement que toutes les fois qu'il y a des marches, c'est les pauvres citoyens innocents qui perdent leur vie. N'est-ce pas? Autrement, ça veut dire que ceux qui étaient au stade étaient prédisposés à tirer. Ceux qui étaient au stade, je n'étais pas au stade, monsieur le procureur. Je n'ai pas que j'étais dans le sujet. Vous avez dit que les leaders politiques ont envoyé les enfants des autres à l'abattoir. Est-ce que ça ne voulait pas dire que ceux qui étaient allés empêcher la manifestation. Les biens étaient autorisés à tirer d'avance. L'autorisation de tirer, je ne peux pas affirmer cette assertion. Ce que je dis simplement, moi j'ai décrit la réalité de mon pays.
détruire la réalité de mon pays. Et je réitère, j'ai détruit la réalité de mon pays. Maintenant que la CPI prenne un aspect négatif ou positif, c'est de leur droit. Dans le même paragraphe, il est dit ceci. Le président a déclaré à la Commission que les leaders politiques avaient déjà vu la réaction de l'armée en 2007 et que, par conséquent, il savait que cette armée allait répondre. Il savait que cette armée allait répondre. C'est fou. Président de la transition à l'époque, commandant en chef des forces armées, avait tenu cette déclaration. Qu'avez-vous voulu dire? Le fait de faire un lien entre ce qui s'est passé en 2007 et ce qui se passe et ce qui s'est passé en 2009. Qu'avez-vous voulu dire, M. Kamara? Monsieur le procureur, c'est ce que je viens de vous dire. C'est dans le même ordre d'idée. Ce que je viens de dire. Les événements de 2007, quand on est chef d'État, il y a un père de famille. Il y a des conseils qu'il faut donner. Ce sont des exemples. Et c'est pourquoi même dans toutes les familles, les pères de famille prennent toujours le soin de dire tel que mettre. Ce n'est pas dans ce contexte. Bon, je ne suis pas le chef de la famille. Je ne fais que dire. Excusez-moi. Vous écoutez, je pose une question pour vous. D'accord. Mais ça vous a dit que la question a un sens. La parole aussi. Je pose la question. Vous avez fait. Dans ce rapport, il est vraiment une idée que vous avez fait une liaison entre ce qui s'est passé en 2007. En 2007, les militaires ont tiré sur une population des armées. Et en 2009, c'était la même chose. Pourquoi vous avez fait ce parallèle-là? C'est une Nous sommes avant tout guidés. La communauté internationale n'est pas seulement de la Guinée. Et lorsque vous recevez une telle commission, il y a des moments où vous devrez effectivement donner des points de vue. C'était des points de vue. Et cet événement de 2007, cette même communauté internationale, c'est très bien. Alors c'était juste faire un parallèle, mais ça n'a rien de méchant. Je continue. Ils arrivent à la conclusion suivante. La commission arrive à la conclusion suivante. Ces propos indiquent qu'il parle de vous est convaincu que de telles manifestations mènent nécessairement et inévitablement à la violence. Telle que celle qui a été observée le 28 septembre et les jours suivants et témoigne de son intention d'apporter une réponse aux manifestations de 2009 similaires à celles de 2007. C'est ce que je voudrais, M. le procureur. Ce sont des hypothèses, des analyses, c'est tout à fait normal. Là, ce pays, ce ne sont pas des monstres qui sont dans ce pays, ce sont des hommes qui réfléchissent. Chaque être humain a des analyses. C'est comme ce qui s'est passé avec le président Laurent Gbagbo. Mais il y a eu beaucoup d'hypothèses de ceci, de cela. Je ne dis pas que cette hypothèse n'est pas pénale. Je dis que cette hypothèse n'est pas pénale. Cette hypothèse n'est basé seulement que sur des explications. Sur des explications
Et maintenant, quitte à la personne de comprendre ou de ne pas comprendre. C'est ça, monsieur le procureur. Bien. Je continue. En tant que commandant en chef des forces sœurs, le président Camara a lui pris pouvoir de commandement sur toutes les forces de sécurité engagées dans l'attaque des jours suivants. La Guinée est présentement sous le contrôle d'un gouvernement militaire qui a pris le pouvoir à la faveur de l'ordre de l'État. Le gouvernement est intégré dans une structure hiérarchique militaire avec le président en position de commandant. Je vais expliquer, monsieur le procureur. Je vais l'écouter. Si vous pouvez expliquer afin que la compréhension soit. Ok. Pour que la question soit comprenue. Ceci n'est pas le bon. Donc je le contacte juste. Le président Camara a lui pris pouvoir de commandement sur toutes les forces de sécurité engagées dans l'attaque et les jours suivants. La Guinée est présentement sous le contrôle d'un gouvernement militaire qui a pris le pouvoir à la faveur d'un groupe d'État. Le gouvernement est intégré dans une structure hiérarchique militaire avec le président en position de commandement. Prenez cette directive à partir de la résidence. Le ministre de la Défense? Oui.
je n'ai pas très bien le pouvoir comme un plat de riz avec plusieurs, je crois, à part et là. À part et là. Tous les Grecs peuvent me témoigner. À part et là. Est-ce que le ministre de la Défense prenait un certain directif auprès de vous, chef de l'État, de sa loi? C'est-à-dire qu'il me demandait des décisions? Oui. Bien sûr. Alors, il vous souviendra qu'après ces événements-là, vous avez fait une déclaration de public. Autrement, vous avez accordé les intérêts. Je m'intéresse à certaines des déclarations que vous avez eues à faire. Je veux parler de cela. Je voulais dire, ne pensez-vous pas
au lieu d'incriminer ce qui devrait dans tous les cadres des manifestations pacifiques, il fallait beaucoup plus prendre cette responsabilité-là, les agents de force de l'ordre qui ont tiré sur cette population non armée. Vous avez laissé plus de 40 000 personnes sans la même enquête, alors que ces livres-là n'ont fait qu'appeler leurs interprétations de stade. Vous avez sans ordre. Ce que vous faites, c'est que les sommes qui étaient sous votre responsabilité, sous votre ordre. Donc, s'il y a responsabilité, est-ce que vous ne pensez pas qu'il fallait beaucoup plus dire que les hommes, vos hommes, sont responsables, et vous devez dire que leurs responsables. Alors que, quand il y a une manifestation, les agents de force de l'ordre ont l'obligation d'encadrer la manifestation de l'ordre et des responsables. Je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai à la fois parlé au cas des leaders politiques et j'avais aussi parlé à la fois au cas de ceux-là qui sont partis au stade. Donc, je parlais de deux côtés. Et si vous remarquez mes premières interviews, parce que c'est extrêmement important, mes premières interviews, c'est comme si j'étais, c'est comme si c'est Dieu qui m'inspirait. Je dis ce qui vient de se passer. Ça a été fait de nature qu'à l'avenir, s'il y a un jugement, le professeur enfin puisse ne pas être là. Je l'ai dit, et c'est ça aujourd'hui qui est là. Donc, ce que j'ai dit, du côté des leaders politiques, en particulier, le professeur Alpha Condé, je le dis et je le dis, ce n'est pas que de Dieu. Ce n'est pas que de Dieu. Le côté des militaires, j'étais déjà engagé dans ça. J'ai attaqué le parti comme j'ai attaqué le côté des militaires. C'est pourquoi même, quelque part, et lorsque je me suis abattu sur le camp de M. de Touba, j'en ai parlé. Aujourd'hui, nous sommes devant le tribunal de l'État. Et j'ai dit, je me dis, on peut tous appeler un jour à être rappelé. J'insiste et je réitère. Ces événements de 28 septembre, même ceux qui sont le professeur Alpha Condé. Une question. Toujours dans la même pensée, les interviews que vous avez apportées. Les agents des forces de l'ordre allaient tirer sur la population civile. Non,
sur cette population des aveugles. Par rapport à cette déclaration que je venais de faire, c'était après le 28 septembre. Et après le 28 septembre, ce que j'ai dit, c'était ça. Parce que les leaders politiques ont été embobinés. Je veux savoir, M. Kamara, ce mot de passe, ça veut dire que vous déploiez les autres ministres de la population des Africains. Je ne déploie pas, M. le procureur, ce qu'on fait, ce qu'on promet. Je veux juste faire le parallèle. C'est-à-dire, côté de ceux-là qui ont procédé à la marche, et donc la marche n'a pas été gênée comme ça c'est demain. J'étais dans l'optique de ressortir cet aspect, ce qui ne veut pas dire que. J'étais là pour demander les hommes qui ont fait le massacre. Et encore mieux, ces hommes qui ont commis ce massacre, je n'étais pas prêt à les dévoiler. C'est juste une liste. C'est juste un compte rendu que j'ai lu. C'est ce compte rendu que je suis en train de livrer à la population, la façon dont la masse a été menée et à travers les commissariats, c'est juste ça. Ce qui ne veut pas dire que c'est une façon de défendre qui que ce soit. Non, monsieur le procureur. La procédure, c'est de la façon de défendre qui que ce soit. Pour parler constamment des commissariats et des sacrés, des armes qui ont été dérobés là, mais vous parlez des mots, vous parlez même de ceux qui sont vieux, alors que c'était votre population. Ces armes-là, ce commissariat-là, on pouvait reconstruire, on pouvait acheter des armes, mais c'est vite perdu. Est-ce qu'on pouvait en passer là? C'est non, je ne sais pas. Je dis, dans vos déclarations précédentes passées, faisiez allusion de l'attitude des manifestants qui sont allés s'entendre selon vous au commissariat où ils auraient pris des armes de guerre contre le président. Or, ça c'était un fait. Il y a aussi ces milliers-là, ces populations sur laquelle on a tiré la bouche, ces femmes qu'on a violées. Ces familles qu'on a amenées, vous n'en parliez pas de qui vous en parliez moins. Vous étiez pourtant le père de la nation du Nigeria. Je comprends, M. le maire, tel n'était pas mon idée, comme je n'en parlais pas. Donc c'est juste. Et le choc survenu, lorsqu'on voit les pauvres personnes meurent comme ça, sans raison, parfois ça peut amener l'homme à réagir. C'est l'acte qui s'est passé qui m'a
m'a le plus tôt choqué, c'est là qui s'est passé. Qui m'a le plus tôt choqué. Mais ce n'est pas à dire que le côté de ceux qui sont morts, je ne voulais pas en parler. Est-ce que vous vous souvenez si les gens ont été arrêtés après? Vous dites? Après le 27 ans. Est-ce qu'il y avait une journée de paix nationale que vous avez ordonné pour la mémoire de ces histoires? Cet homme
a fait, Dieu a mis mon cœur dans l'esprit de cet homme. Autrement dit, je voulais qu'il décédait dans la nuit du 22 décembre 2018. Vous pouvez vous dire, vous vous dites précisément, lorsque vous annoncez sa mort. Incontrôlé. On ne peut pas du tout
Ça, c'est effectivement une thèse qu'on contrôle, mais ce ne serait pas ramené au stade. Ça. Bien. Et le même Pédi dit que tout ce qu'il faisait, il vous rendait compte. Tout ce qu'il faisait, il vous rendait compte. Tout ce qu'il faisait, il vous rendait compte. Tout ce qu'il faisait, il me rendait compte. C'est dans la mesure où je lui confiais des missions, mais c'est pas à tout moment. On peut rendre compte au commandant dans un chef, c'est quand il y a des missions. On peut rendre compte au chef. Donc c'est là où vous remontiez à des missions que vous rendez compte. Parfait. Sinon, c'est un traduisement. Est-ce que vous rendez compte aussi? Non, sinon c'est de la simple visite. Vous êtes là et puis voilà. C'est de la simple visite. Bien, une fois les hommes de la présidence étaient aux prises avec son collègue au camp militaire, quand après, avez-vous une interview que vous pouvez partager? Oui, bien sûr. Et quel est le motif de cette opposition, de cette prise-là? Monsieur Sylvain Valère, d'abord, qui a été victime de l'inondage. D'accord. Et donc, par les éléments de combat. Donc, les éléments de la présidence. Voilà, les éléments de la présidence, c'est tout de suite. Et donc, la troupe de monsieur Thébro, lui-même sur ces éléments et les attarder au niveau de l'ensemble de leur bâtiment. C'est ce qui s'est passé. Donc il y a eu la réaction. Vous avez demandé leur libération. Vous dites quoi? Vous avez demandé leur libération. Vous avez demandé pour la libération. Quand je suis venu, mon souci c'était quoi? Parce qu'ils avaient des armes. Il ne fallait pas laisser des. Qui s'entraînaient chez moi. Je suis venu. Le but, c'était de calmer les hommes du colonel Thébro. Quand je suis venu, je leur ai dit, voilà, écoutez, vous êtes des forces spéciales, je vous demande vraiment de vous calmer. Et donc, j'ai calmé la situation, et puis, j'ai rejoint pour ma dirigeant. Vous avez demandé de l'intérêt, non? Vous avez demandé de l'intérêt, c'est pour l'intérêt. Je dis bien que c'est la scène que je vous explique. Je ne suis pas venu pour libérer les gens, je suis venu pour essayer de faire la calme entre les hommes du colonel Thébro et les hommes du colonel Thébro. Mais à la fin, vous êtes venu. Bon, à la fin, là je ne sais pas parce que ce n'est pas mes attributions. Vous pouvez maintenant demander au colonel Thébro comme il est là. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pourrez me vous expliquer. Bien. Est-ce que les hommes de Thébro étaient souvent partis de côté gauche? Oui. Les hommes de Thébro, est-ce que parfois ils partaient de côté gauche? Bon, les hommes de Thébro portaient le terrain vert avec les t-shirts à boire, moi-même, je les qualifiais de force spéciale. Et d'ailleurs, c'est cette même force-là qui a fait de. Il y a certaines choses qui ne se sont pas passées au camp. Et parlez-vous de Foro. Qui est Foro? Monsieur le procureur, vous parlez de Foro. La personne qui a parlé de Foro, c'est cette personne-là que vous devrez lui faire, que vous devrez la faire venir ici. Vous n'avez jamais connu Foro? Il y a plusieurs Foro. Je dis bien. Je précise, Frodo est un tricheur. Ça n'engage que M. Aboubakar Touba Diakité. La deuxième fois, Frodo est un tricheur qui était au camp après la guerre. Je dis bien, M. le procureur, avec tout le respect que j'ai pour vous, puisque vous avez déjà parlé de Frodo, mais faites venir Frodo. Est-ce que vous connaissez pour mot le féticheur? Si je le vois, en toute sincérité, si je le vois,
je peux dire que oui, lui je le connais. Mais pour l'instant, je ne sais pas qui fait ce forum. Qui est ce forum? Vous êtes un officier des états-majors. Vous avez dit que vous êtes très intelligent. Donc, quand on vous pose une question, je vous prie de répondre. Je vous sens la tête en table. Vous ne répondez pas oui, par l'homme. Combien de temps vous ne répondez pas de tout le temps qu'il y a eu des conséquences? Alors, j'ai dit ceci. Je reviens sur ma question. Est-ce que, mon capitaine, vous connaissez un certain fameux féticheur qui vient avec vous pour quand envoyer les canaux? Non. Et tout parti que vous avez été chez ce féticheur-là pour signer un pacte. Un pacte de non-prison. Le contrôle, cela, vous n'avez jamais signé un pacte avec lui, je vous remercie. Non, pas du tout, c'est des allégations. Et chez le monsieur Bruno Sagalé, il a voulu qu'un soir, vous êtes allé chez le gardien de pêche et il vous a gardé là-bas une certaine mesure de vous en tête. Est-ce que vous refusez cela? Ce sont des allégations. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Je vous remercie. Vous avez des hommes avec flèche, c'est pas vrai. D'accord. Et par rapport à Marcel, est-ce que vous avez informé de son accident? Non, je n'ai pas été informé de l'accident de Marcel, non, peut-être. Le 28 septembre, au petit matin, vous n'avez pas vu au camp, voilà. Le 28 septembre, la seule personne m'a dit, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, je suis allé, le témoignage de camp, c'était. Donc, vous n'avez pas aperçu, vous n'avez pas aperçu Marcel. Quel était l'objectif des éléments de la présidence? Sont-ils là? Quel est votre rôle? Je pense qu'à ce niveau, il y avait un commandant de ce chemin, il a joué. Et je pense que nous avons mieux encore de dire le nom parce qu'il avait secrétaire. Donc, vous ne pouvez pas estimer? Non, je ne peux pas estimer parce que je ne m'occupais pas du logement. Je n'étais pas le chef de logement. D'accord. Est-ce que pour vous, c'est seulement de la présence de l'armée? Vous êtes tous armés? C'est à vous de demander parce que c'est non, non, les éléments de la présidence, ceux-là qui étaient à votre avis, est-ce que vous êtes tous armés? Mais les éléments de la présidence, s'ils sont militaires, ils sont forcément armés. Merci. Et Marcel a dit que la consigne qui a été donnée à la présidence est que tout le monde devrait être porté entre les mains. Ça, c'est vrai? Ça, bon, ça s'est passé certainement entre eux, mais l'affaire de Pérez, je consigne, ce n'était vraiment pas mon travail, ça. D'accord. La question que lui rapporte au capitaine Mohamed Fournier, Escobar, qui était le commandant de l'autre salon, vous le connaissez? Mais c'est M. Toumba qui connaît ses hommes, c'est pas moi. Vous avez déjà connu capitaine Mohamed Fournier, est-ce que là? Mohamed Fournier, si je le vois, je peux le connaître. Monsieur Toumba ne peut pas inventer des noms ici, les deux vous m'obligez à connaître. Non, vous savez. C'est pourquoi, s'il vous plaît, monsieur Camara, ce n'est pas les réponses qu'on vous impose. Si je vois, s'il vous plaît, Mohamed Fournier, s'il vous plaît. Vous devez comprendre, bien comprendre. Pas de réponse.
Bien, il a été dit ici que Marcel était très puissant. Et il pensait même apprécier les ministres de l'Ordre. Vous pouvez m'en il a eu des impressions. Moi, la seule, le seul cadre que j'ai vécu, c'était le cadre de la Commission. Mais, puissant, ça, c'était pas un peu. Pour obtenir la clé de l'ambassade des armées,
Les grenades, les grenades ne sont pas individuelles. Ce n'est pas une dotation individuelle. Ce n'est pas une dotation individuelle. C'est lui qui avait la paix. Je peux le supposer comme ça, parce que c'est lui qui était le commandant du régiment. Vous supposer ou bien vous l'affirmer justement, qui avait la clé des armes du régiment. Puisque le commandant du régiment, ça veut dire. J'avais servi de la gestion du régiment et pour tout sortir d'armes, il lui faut un bon. Donc, pour le bon, pour la clé. Qui a fait la clé? J'estime que là où il est, vous estimez que vous avez fait, vous vous supposez ce qu'on a fait. À ce niveau, le président, il faudrait qu'on le demande clairement parce qu'on ne peut pas avoir toutes ces armes sans définir comment créer la police. Comment c'est vous qui êtes à la part de ce que vous dites? Qui avait la clé? Moi, j'ai dit que c'est lui qui avait la clé parce que. Ça, vous l'affirmez. Est-ce que vous l'affirmez? Oh, l'affirmez. Puisque c'est lui qui détenait. Ce qu'on a donné comme le pose la commission, c'est qui donnait les clés de l'armée. Les clés de l'armée, je pense que c'est tout là qui détenait la clé. D'accord, monsieur le procureur, à partir de tout d'abord, monsieur. Merci bien. Je vais prendre la manette et on a le même matin pour vous. Relevait-il de la présidence les trois cavaliers et Koukara, aujourd'hui en Cameroun, relevait-il de la présidence? Il devrait de la présidence. Mais si c'est le cas, là, vous devrez de la présidence. Koukara, Kamayen, oui. Bien sûr, oui. D'accord. Et comment est-ce que c'est le cas là? Mais tout le cas, vous allez faire. Le seul cas que je connais, je vais t'aider pour le cas de mais le Pascal, le cas Kamayen, le président. Non, je ne m'occupe pas de ça. C'est parce que j'avais des hommes de confiance. Je vais aller d'avoir avec les commandants du métier. Pour le ministre, je vous le dis, les événements, aucune condition indemnisée n'avait été mise en place après les événements pour gérer la crise. Ça, c'est vrai? En tout cas, moi, à ce que je cherche, j'ai mandaté le premier ministre et à l'époque, le ministre Koutoumou, qui était d'une autorité morale, qui ont assumé ces fonctions, non seulement pour la distribution des ports, la répartition des ports, c'est eux qui l'ont fait. Donc c'est cette commission que j'ai mis en place. Vous l'avez dit à Tessy, que le 28 septembre, c'est vous qui avez envoyé la mission à Kamayen, c'est vrai? Le 28 septembre, avant d'aller à la baie, j'avais réagi pour dire qu'il y a des militaires qui sont en train de prendre le véhicule des gens. Quand je l'ai fait commander ces mouvements, donc j'ai voyagé à la paix. Donc, le retour, comme il a si bien dit, c'est par rapport à ça qu'il est allé effectivement exécuter la mission que je l'avais confiée. Il est venu Il était venu
pas exactement. C'est après les événements, c'est après qu'il y ait effectivement le massacre au stade de Francisca. Il dit que quand il est arrivé à la maison, il a dit ce qui s'est passé au stade, mais à son retour, au camp, il nous a fait votre document de sa mission, mais les autres qu'il avait appris. Et à cette occasion, vous lui avez dit que c'est vous qui avez envoyé le document. Oui, mais le premier qui lui a dit devant vous ici, monsieur le procureur, de ne l'a pas dit. Mais moi, je dis bien que toute personne qui fait des déclarations passant, langage de cette personne. Donc, si vous l'avez gardé là, dites-le, c'est vous qui avez envoyé. Non, je n'ai jamais envoyé. Même l'officier de police judiciaire, ils sont chargés de mettre l'ordre de matin. Donc, M. Coubertin, il n'a pas dit la vérité par rapport à son. Non, si il dit que j'ai envoyé le collègue de mots, je n'ai jamais envoyé le collègue de mots. Merci. Je
je serai le premier à venir demander pardon, le fait qu'il a reconnu, le fait qu'il a fait, j'allais le faire. C'est comme un père de famille, vous avez des enfants, ils ne reconnaissent pas leur faute. C'est dans ce contexte que je parlais, mais je respecte la mémoire des victimes et je suis prêt. Lorsque Monsieur le Président, la sentence va tomber, si je suis acquitté, et j'estime bien que je suis acquitté, je serai le premier à demander au peuple de Guinée, mais que justice soit faite d'abord. Que justice soit faite. André Moulin, est-ce que vous vous souvenez, avant de donner des instructions à votre président, afin de procéder au retrait de la somme de 10 milliards de francs qui est au niveau de la Banque centrale, afin d'admonir les revenus de l'AIA. Vous vous souvenez d'avoir donné des instructions? Monsieur le procureur, ce n'est pas M. Camara. Cela ne ressemble pas à M. Camara. Jamais, donné l'ordre à qui que ce soit de débloquer un montant de quelque nature que ce soit. Et vous n'avez pas appris aussi que ce montant-là a été délaissé par le député de la République de l'Italie. Vous n'avez pas appris ça aussi. Je n'ai jamais appris. Yes. Qui est Jacques Mahomé? Jacques Mahomé? Si je le vois, je peux le connaître, monsieur le procureur. Pas seulement, je ne peux pas le connaître. Pardon, non, je ne peux pas le connaître. Ce n'est pas le local pour parler de lui, Condé. Si je vois Condé Mohamed, peut-être que je peux le reconnaître. Pour la présidence, ce n'est pas certain Jacques Mahomé. Je dis bien, monsieur le procureur, si je vois monsieur Jacques Mahomé, je peux. Je peux vous dire que oui, je ne connais pas, je ne connais pas. Bien. Est-ce qu'il y a le problème de l'hôpital Léa? Pourquoi on ne vous a pas dit le nom? Par rapport à l'affaire de Léa, monsieur le procureur, le président ne s'occupe pas du recrutement. Deuxièmement, si vous voulez savoir ce qui s'est passé à Kalia, que le général Sekouba soit là, c'est lui qui a fait le recrutement. Qu'il soit là. Tant qu'il n'est pas là, c'est lui qui a fait le recrutement de Kalia, c'est lui qui sait comment il a recruté. Oui. Mais moi, je ne parlerai pas à sa place. Mais sous votre autorité. Mais sous mon autorité, quelqu'un qui a violé d'abord un principe, le jour du 28 septembre, il s'en va sans mon ordre de mission. La question est de savoir si vous connaissez le nom de la République. Je ne connais pas le nom de la République, monsieur le président. D'autres questions. Yes. C'est que par rapport à Kalia, il y a pris des doutes parce que notre parquet a pris soin de dire au directeur actuel de Kalia, nous a reconnu. Et nous allons mettre après, et puis à la disposition de nos conseils. Et ce directeur a dit quoi? Juin 2009, quand le vice a mis des soldats du CNDD. Recrutement et formation des soldats du CNDD. Cette formation ne relevait pas du commandement de la gendarmerie. Le directeur du centre, c'était quand on a bien vu la main. Le directeur des équipes, lieutenant Jean-Louis Koutoumou. Et il a pris enfin recrutement sous le régime du capitaine Moussa Dadis Camara. Voici le capitaine de l'armée. Le capitaine Moussa Dadis Camara. Mais qui a fait ce que le directeur actuel de l'armée. Oui, mais quand même, c'est tout à fait normal quand on est sous le régime du capitaine Moussa Dadis Camara. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Pourquoi est-ce que le capitaine de l'armée
par rapport à l'église pastorale. Mais c'est pour que ce qu'il a dit est un peu contraire à ce que il a plutôt à dire. Parce que vous avez bien collaboré ensemble. Et il vous a tous rendu compte de tout ce qu'il faisait. Vous avez pu vous rendre compte. Il a dit ceci. Si mes souvenirs sont bons, j'ai été appelé à 6h18 par mon directeur national des services de police en la personne de monsieur Fondantel Kaba. Il m'a informé que les gens se trouvent vers le stade. Après cette information, je me serai au policier pour vous le ministre d'alors de la vie de Roumage. À mon arrivée, je l'ai demandé. Il était informé du fait que les gens s'acheminaient vers le stade de l'Occident. Il m'a répondu qu'il n'était pas informé. Par la suite, il m'a demandé qu'on se rende au temps à Faya, auprès de M. le Président, M. Moussa Tadiskawa. Nous y sommes directement à la nuit. Là, nous avons été introduits dans la chambre du Président, où nous avons trouvé Moussa Kéro et l'avocat de l'Occident. C'est un jour qui est très énervé parce qu'il avait ordonné de ne pas organiser le meeting. En compagnie de Premier ministre, nous avons cherché à le calmer. Entre-temps, il s'est habillé en tenue militaire. Le Premier ministre, M. Lamine Kamara, nous a quittés en le demandant de continuer à le calmer. Ça, c'est vrai. Je dis bien que je respecte sa mémoire et ne pas rentrer sa mémoire. Alors, par rapport au président encore, voici ce que je m'avais beaucoup à dire. C'est à 13h de mon bureau, j'ai été informé. À 14h, je me suis rendu au Casaroni où j'ai constaté la présence d'un camion militaire avec à son bord 20 militaires. Que nous avons bien compté. Je suis allé immédiatement au bar à Voyaya pour rendre compte au président de la République, M. Moussa Dadiskawa. C'est vrai, vous allez vous rendre compte. Il a continué. Il dit en réaction, il, c'est-à-dire vous, m'a dit voilà pourquoi il ne voulait pas que ce régime là soit organisé. Est-ce que vous avez évalué ça à sa présence? Et même le ministre de la Santé m'aurait fait un problème. Donc, monsieur.
Monsieur le directeur de la police nationale, je ne me sens pas dans la tête, a dit ceci. J'étais là lorsque le premier François m'a appelé pour me dire que tout est gâté et pour cause il y a des doutes. Sous l'instruction du journal de cause, nous avons déposé tous les corps dans le sable. Bien confirmé ce que je n'avais pas dit. Il dit que, effectivement, les corps ont été déposés autour du temps sable. Nous voulons vous voyez à cette information les personnes. C'est ça que je veux dire, monsieur le procureur. Moi, je n'ai pas vu le corps. Est-ce que je peux confirmer ces déclarations? Non, je n'ai pas vu le corps. De chef d'État à l'époque. Le minimum serait quand même de me faire voir ce point. Mais si tel n'a pas été le cas, et dans le fait même, nulle part c'est écrit, on a transporté tel corps au Karl Faya pour que le président Camara puisse voir. Par rapport au stade, le directeur de stade, le ministre de la il s'agit de M. Prévention d'État. Voici l'État dans lequel je vais retourner au stade. À mon arrivée au stade avec un travailleur, j'ai constaté cette issue. La présence de plusieurs chaussures à tous les endroits du stade. Les portails endommagés. La présence d'une grenade. Non loin de mon niveau, sous les sacs contenant les matériaux et les circuits, le tunnel endommagé, quelques fauteuils endommagés sur la fuite. Alors, ce qui veut dire que, effectivement, il y a eu des tirs au stade. Il y a eu des tirs au stade. Je n'en dis qu'on ne vient pas, ce serait de. C'est très mauvaise foi. Il faut dire qu'il n'a pas été tiré. Quand bien même que je n'y étais pas. Mais à ma connaissance, il a eu bien des tirs à ma connaissance. Il faut se dire la vérité parce qu'il a eu des morts. Donc, ce qui établit que c'est
comme une information peut être là. Est-ce que cette information qu'on donne, est-ce qu'elle est sûre, est-ce qu'elle n'est pas sûre? Mais de toutes les façons, moi, j'apprenais comme un chrétien, en toute sincérité. Est-ce que vous croyez dans le fait de liage perpétré dans plusieurs parties de l'Église? Oui, les gens aussi parlaient effectivement dans le liage. Et comme d'ailleurs, ce n'était pas le même temps, il y en avait eu d'ailleurs plusieurs fois. Moi-même, j'étais obligé d'intervenir à un moment donné. Cet liage-là, ça parlait. complice, sans auteur, je ne parlerai pas de complice. Parce que, en ce moment, je suis
Je suis co-auteur en même temps complice, mais par la sagesse du tribunal et de monsieur le procureur, de l'obliger de répondre à toutes ces questions. Sinon, j'aurais demandé qu'il faut un auteur qui dit clairement que monsieur Camara a été complice avec moi. Mais le fait, je ne vais pas aider, comment dire, la cour pour vraiment pour la vérité. C'est de bonne foi que je le fais. Donc il y a des participants ici, beaucoup d'ailleurs, qui disent clairement qu'ils ont vu monsieur sur le terrain, qu'ils l'ont identifié, qu'il a pillé leur boutique, les maisons. Donc selon vous, qui vit à l'époque de est-ce que vous croyez à leur version? Madame, je crois qu'il ne faudrait pas. J'ai été clair avec vous. J'ai dit les versions. Nous ne sommes pas à l'époque où c'était les rhétoriques. Les rhétoriques. On pourrait dire que X. Vous voyez, oui ou non, c'est simple. Je dis que, madame, je ne rentrerai pas dans ce jeu-là pour dire que M. Claude a fait ça. Moi, je suis devant vous par rapport aux preuves. Qu'est-ce que le capitaine. Je vous réponds qu'il y a certaines parties civiles aussi qui ont pointé du doigt le CNB. Vous étiez à la tête de l'État. C'est de cela que je parle, madame. Et je vous informe même. Après les événements du 28 septembre, il y a même eu des internautes, ou même il y a, je ne sais pas, une personne qui a dit que le premier a dit que c'était au stade, il avait comme adresse la tête de l'enfant. Mais tout ça, ce sont des hypothèses. On ne se fie pas aux hypothèses ici. Moi, je suis là. Que ce soit maintenant des accusés, ce qui me regarde, c'est quoi? C'est le président du tribunal que toutes les personnes qui disent que le capitaine de la mise en place, qu'ils exigent des preuves devant le président du tribunal. Les preuves, parce qu'on ne peut pas faire des. Le droit pénal n'est pas une hypothèse. Que l'homme qui vient là-bas, on a pris la chute. Mais pour qu'on vous appelle dictateur, est-ce que vous avez. Ça revient péjoratif, madame. À poser une réflexion. On qualifie votre régime d'un régime. Dans lequel la population était oppressée, la population était arbitrairement arrêtée. Je comprends, madame, je vais vous dire, le capitaine Dadis, si vous ne pouvez pas le reconnaître, c'est que le capitaine Dadis a fait dans votre pays. En 11 mois, personne ne l'a fait. Ce pays appartient à nous tous. Vous pouvez me croire quoi? Monsieur Camara, parler de dictateur. C'est pas moi qui l'ai dit. Si vous ne le dites pas, c'est une frustration. Vous ne voulez pas dire la vérité. On est devant l'histoire. Le capitaine a dit ça a été patriote. C'est son patriotisme qui a fait aujourd'hui que il est devant vous, il est devant ce tribunal. C'est tout. L'Internet n'est pas le tribunal est ici. Donc, est-ce que l'Internet, les réseaux sociaux, laissez tomber les réseaux sociaux. Moi, on est devant un tribunal. Laissez ces faux problèmes des réseaux sociaux. C'est l'Internet qui va résoudre les problèmes ici, qui va établir les preuves ici. Laissez tomber ça, voilà. Merci. Merci.
La Guinée a violé plusieurs dispositions des conventions
l'international des droits de l'homme et d'être bien à la cité. Je n'ai plus de questions à ce moment. Je n'ai plus de questions. Je n'ai plus de réponse. Je n'ai plus de réponse à cette question, madame, avec tout le respect que j'ai pour vous. Je n'ai plus de réponse à cette question, madame, avec tout le respect que j'ai pour vous. J'avais déjà parlé largement avec le procureur général. Thank you.
composition du parquet. Relativement à l'examen de ce dossier, nous remarquons la présence et de l'autre de la République et de ses structures. Or, la loi est claire. C'est pour le procureur ou ses structures. À partir du moment où le procureur de la République est présent, nous devons quand même irrégulier qu'il soit assisté par ses structures, alors que la loi n'a pas dit « et ». On dit le procureur ou ses structures. C'est comme si, monsieur le président, on permettait à nous une composition qui est faite pour un magistrat, à vos assesseurs, de poser des questions comme vous le faites. Donc, nous nous voulions que le tribunal veille à l'application de cette disposition pour que les débats évoluent sereinement. Je vous remercie. Et surtout que le ministère public n'est pas le tribunal. Le tribunal est à part, le ministère public est le parti du procès. Donc l'homme est représentant du contrat. Que le procureur soit là avec ses substituts, ça importe peu pour le tribunal. Donc ça ne peut nullement entacher le fonctionnement de la procédure et la loi humaine. Donc, on va y aller. Merci à vous de continuer. Thank you.
de toutes les façons, c'est le nom que je vous donne maintenant, que ce soit par le Saint-François, Bisculade et Joseph. Ce qui est important, le nom de mort qui m'a été communiqué, c'est au nom de 57. Maintenant, s'il y a Bisculade et Joseph, ça c'est. Ça ne dépend pas à moi de. Des militaires de la présidence qui ont quitté le camp, qui sont venus par surprise, ils ont appelé les gens à Boubou. Est-ce que dans ce contexte, on peut parler de Bamboo? La question, c'est la même. Vos hommes, qui étaient des militaires, qui vous gardaient. Le camp, ils viennent en direction du stade. Pendant que le stade était plein, ils pointent à beaucoup de manifestants. Ils les tuent. Est-ce qu'en votre qualité de président, quelle que soit l'information que vous possédez, est-ce qu'on peut parler dans ce contexte de partenariat? De toute façon, ça n'a rien à voir. Ce mot par le cadre, je dis bien qu'en matière de correspondance, de compte rendu, il ne se modifie pas. Même la virgule ne se modifie pas. Donc je n'avais pas le droit de donner mon point de vue. Donc en tant que militaire, pas en tant que président, en tant que militaire. Quelle explication pouvez-vous donner devant ce tribunal pour expliquer la thèse de Barbier quand elle est tirée par ça? Je n'ai pas de réponse à cette question parce que je me suis fait bien comprendre. Je n'ai pas perdu. Ce qui ne veut pas dire que moi, j'ai vécu les faits. Je dis que c'est un compte rendu. Si ce compte rendu ne convient pas, madame la procureure, je n'ai pas de réponse à la question. D'accord, c'est facile. Selon vous, est-ce qu'un compte rendu n'est pas fait à l'image de la réalité sur le terrain qui a été annoncé de façon nationale? Est-ce que ce n'est pas une manière de couvrir, de masquer? Moi, si vous pouvez la comprendre comme ça, c'est une autre façon de la comprendre. Moi, je dis bien que j'avais un devoir sacré. J'ai curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé au stade de 20 septembre, le nombre de morts, aussi bien que les blessés. Alors, si à quelque part, vous mettez ça sur le genou de je n'ai vraiment pas de réponse. Donc, moi, mon amendement, est-ce que vous n'avez pas voulu couvrir vos hommes? Non. Les hommes ont dit. Et vous avez tout de suite un exemple là. Quand vous demandez de l'air, je vous donne le même exemple aussi. Pour rester dans la justice, pendant que nous sommes là. Et quelque chose se passe même dans la cour. Regarde bien où votre travailleur vient vous donner une situation. Et vous devez répondre à votre hiérarchie supérieure. Est-ce que vous allez me dire que c'est une façon de couvrir ce qui s'est passé dehors? C'est le bon sens. C'est de dire exactement ce qui s'est passé dans la cour par rapport au compte rendu de vos hommes. Donc, je pense. En traitant des opposants,
de vous avoir défié. Est-ce que selon vous, ce n'est pas une forme de menace? Non, pas une forme de menace. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de dire que ce que vos militaires ont commis, l'attaque qui a été perpétrée ce jour-là, que c'était bien? Non, vraiment, normal, sensé, ne peut pas comprendre de la sorte. Oui. Oui, j'ai répondu à votre question. Donc, qu'est-ce que le sentiment vous a amené à vous? J'ai dit, c'est un sentiment de choc, madame. C'est un sentiment de choc, choqué d'un événement. Personne, aucun père de famille ne peut dire qu'il peut mettre les...
la situation de tous les enfants, la plus forte est une mère de famille. C'est aussi logique. Mais ce qui reste clair, quand vous êtes un chef d'État, il y a des priorités. Il y a des priorités. Et vous déléguez le commandement de vos pouvoirs à certains gens. C'est des hommes qui sont venus dans le camp. Mais des hommes qui sont venus, vous devez vouloir vous adresser au ministre de la Défense nationale, madame. Ce n'est pas à moi de vous poser cette question. Je ne suis pas là pour affaire d'armes venant de la limite du Canada. Je suis là. C'est vous qui êtes à la barre. Je suis là pour des faits de complicité. Si vous parlez de preuves d'armes, donc la fête.
entre 40 qui ont été vus, montent au stade, dont le corps n'ont pas été coupé jusqu'ici. 49 autres vus au stade, dont le sort reste incertain jusqu'ici, inconnu. Elle confirme également que 109 femmes ont été violées. Et d'admission ont été agressées sexuellement aussi. Donc, en tant que président, par rapport à ces crimes de viol, qu'est-ce que M. Abdoulaye, chérif Diaby, a eu à vous dire par rapport à ce cas? Par rapport à cette question, je laisse le ministre de la Santé à l'école. En fait, faire le contrôle à l'époque. Mais plus que là, il était établi que c'était 57 corps et des blessés. Il lui aurait donné des instructions fermes. Ces instructions étaient de conserver les corps, de marier les corps à la mort pour la répartition. Peut-être la distribution, comme on aime le dire, la distribution des corps. 57. Mais la tombe dit bien formé. Je lui ai dit, de ne toucher à aucun corps, puisqu'il y a une commission. On ne peut pas distribuer des corps comme ça, comme des cacahuètes. Deuxièmement, je lui ai donné des instructions fermes de laisser les médias internationaux, à savoir France 24, de filmer tous les corps. Et quand vous blessez, comme il a si bien dit, il a pris des dispositions. Et par rapport aussi aux leaders politiques, j'ai donné des instructions fermes au colonel Tedro, qui est venu me rendre compte avec le Premier ministre, disant de ne pas laisser les leaders politiques au camp symbolique afin que quelque chose ne les arrive pas. Parce que je vous tiens déjà. Je l'ai dit, faites l'équité, envoyez-la à la colonel Pasteur. Et quand cela a été fait, le même jour, vers la nuit, certains ont jugé nécessaire de rentrer à domicile. J'ai donc essayé de voir les ministres, je leur ai dit que je ne prends pas la garantie pour laisser les leaders rentrer chez eux. Si quelque chose les arrivait, c'est les mêmes leaders, les mêmes religieux qui sont venus me dire oui, certains peuvent rentrer. C'est ce qui fut fait. Ensuite, les leaders politiques comme M. Sidia et Mouktar Sidibouzane, etc., etc., j'ai mis tous les moyens afin qu'ils puissent être traités. Et leur désirateur, ceux qui voulaient aller à l'extérieur de ce soir, je donnais l'autorisation. Laisser aller faire un peu de contrôle très intense. Donc voilà, madame la présidente, si vous voulez la question, si je n'ai pas encore bien répondu à la question, vous pouvez revenir là-dessus. Donc à vous entendre, on peut conclure que selon vous, qu'on a tout pas mais impliqué que dans le. Par rapport au fait de tuer, la dissimulation des corps n'a rien à voir. C'est vous qui allez gérer ça avec d'autres gouvernements. Madame la procureure, vous n'avez pas montré peut-être la façon de parler. On ne parle pas ici de corps parce que M. Fouba n'est pas. Non, on ne faudrait pas en état de chiffre. Lui, il a fini de commettre ce qu'il avait à commettre.
Voilà, maintenant moi je dis et je précise, oui. Je dis par rapport au sport, le ministre de la Santé m'a fait un contrat. C'est dans cette forme. J'ai compris. Parfait. Tu peux avancer. Oui. Vous disiez tout à l'heure que pendant tout va aller au stade, il a tué des gens. Donc il a répliqué avec son peuple. Maintenant, vous, vous avez donné des instructions fermes aux éléments de votre. Vous avez dit, selon vous, au ministre de la Santé, de faire tout son mieux pour que les gens aient le corps de leur part. Maintenant que ce n'est pas fait, vous avez instruit à Général Toto pour la gestion des corps. Il a donné instruction d'après M. Abba Valentin, M. Valentin Abba, qui a clairement indiqué au cours de sa déposition. Sur instruction du général Toto, nous avons déposé tous les corps de notre pays du camp Sambou. Là, 54 corps ont été dénombrés sur le rapport du délégué à l'avantage. Selon vous, par rapport à la gestion de ces corps, est-ce qu'un camp militaire est un lieu approprié pour garder les corps? Alors, madame, vous posez cette question, vous allez mieux. C'est pourquoi j'ai dit tout de suite que le respect de la mémoire du général Foucault. Vous aurez mieux posé cette question au général Foucault. Il est évident que cette corps, se retrouve au camp. C'est Valentin qui le dit, hein, il n'est pas mort. Bon, voilà, Valentin qui le dit, c'est à lui de dire, vous aurez pu dire là, lui poser la question, cette corps dans un camp. Qu'est-ce que vous avez fait de ces 54 corps? Mais monsieur le camarade qui est là, lui il est au calvaire. Il n'a vu ni corps, ni véhicule. Comment est-ce que vous pouvez miraculeusement imputer ça sur sa responsabilité? Donc je vais vous demander. Oui. Entre la police judiciaire. Oui. Et un militaire. Oui. Qui doit intervenir sur une scène de crime? Qui doit intervenir sur une scène de crime? Oui. Entre la police judiciaire et un militaire, qui doit intervenir? Mais c'est la police, c'est l'officier de police judiciaire. C'est donc, si cela n'a pas été fait, ils n'ont pas respecté la procédure de la matière, quelle instruction avez-vous donnée à vos hommes? Ici, madame, je dis si le travail n'a pas été fait, c'est là où maintenant on parle du droit pénal. Le droit pénal, il est individuel. Non, mais la responsabilité, il y a la responsabilité pénale. C'est ce qu'il faut voir, la responsabilité pénale. Ici, moi, j'ai délégué mon pouvoir, une partie de mon pouvoir. La santé, la sécurité. Eh bien, si le travail n'a pas été bien accompli à votre entendement, est-ce la faute à M. Kamara? Non. Maintenant, Valentin qui est militaire, qui vient avec vous, il vient ramasser les corps. Policier. C'est pas policier, c'est un divisionnaire. Excusez-moi. Donc, M. Valentin, là-bas, vient avec d'autres groupes ramasser les corps. Ils enlèvent carrément. Ils remplissent les camions, ces chariots. Ils déposent ces camions au camp de Sambou. Si les corps ne sont pas récupérés, qui peut imputer cette responsabilité? Mais madame, finalement, vous, c'est votre profession. Un officier de police judiciaire. Vous disiez que vous avez donné les corps. Non, attention. On ne sait pas comment madame. Je n'ai pas dit que j'ai donné des instructions. J'ai dit que j'ai donné des instructions fermes au ministre de la Santé de conserver les corps pour la repartition des familles des victimes. Deuxièmement,
dans le cadre du ministre de la Santé, on revient dans le cadre du directeur national de la sécurité, on n'est plus dans le même, on n'est plus comme un chemin, on n'est plus dans le même chemin. Parce que moi, je n'ai pas eu affaire avec le commissaire divisionnaire Valentin. Moi, j'avais plutôt affaire avec son ministre, le général Toto. Donc, il faudrait que vous sachiez ce parallèle-là. Donc, si M. Valentin est allé avec des militaires ramasser des ports comme vous le dites, mais c'est peut-être à lui, et comme vous avez toute la possibilité de lui demander qu'en a-t-il fait de ses ports, les ports qu'il a ramassés avec les militaires selon vous. Mais c'est pas moi de répondre à ça. Demander l'autopsie, ordonner l'autopsie, de ne pas faire des examens sur ces femmes, constater ces preuves, est-ce que cela n'aime pas beaucoup aujourd'hui toute cette procédure? Bon, maintenant, à ce niveau, je pense que chaque cas a son rôle à jouer. Moi, je ne suis pas un médecin. Si le côté médical, comme vous le dites, n'a pas marché, c'est pas de ma faute. Le ministre Diaby, c'est un professionnel. Donc, c'est pas à moi de répondre à cette question. Okay. Selon vous, est-ce que par rapport au massacre du 27 septembre, c'était pas de crime flagrant? C'est-à-dire, la victime et l'auteur se trouvaient au même endroit. Bon, dans cette qualification, si vous pouvez mieux. Les gens qui ont quitté le camp, oui, ils sont venus, ils ont abattu froidement les gens. Ils sont tous au camp, au stage, tous sur le même lieu. Est-ce que selon vous, il était difficile d'arrêter ces personnes? Mais puisque je n'étais pas au stade, c'est après les faits. Il y avait la gendarmerie, il y avait la police pour le maintien de l'ordre. Moi, c'est juste un contre-rendu. Comme c'est l'ex-chef d'État-major de Jean-Louis Lavie, oui,
composition. Selon le rapport de Manouette, selon ce rapport, il y a eu des centaines de militaires ce jour-là au stade. Selon si le commandant Koumba Abaka Siliki a eu à mobiliser des centaines de militaires. Et du côté de Sekouba Kouaké, lui également, il arrive à convoyer des recrues, à envoyer des recrues, à envoyer des champs de minimum. Selon, c'était plus possible pour eux et c'est pour eux de prendre le pouvoir ou d'aller s'en prendre à une population civile pour se salir, pour être plus vite demain devant les autres. Qu'est-ce qui était plus facile pour eux? Des actes concrets.
d'abord. Qui a eu le courage de faire appel à les leaders politiques? N'était-il pas M. Camara, Moussa Dadis? Ça, c'est le premier. C'est le premier élément. Ça veut dire que c'est d'abord l'idée de la démocratie. Et quand ils sont venus, ces leaders politiques, c'est pas au palais, au palais du peuple, que j'ai fait passer tous les leaders politiques. Que chacun donnait son point de vue. Pour quelqu'un qui n'aime pas la démocratie, il va faire appel à des leaders politiques. Alors, il ne serait-ce que ça, la volonté de faire appel à ces leaders politiques. Et je n'ai pas fait comme un cachet. Chacun l'a passé au palais. Ils ont donné des points de vue. Et on a évolué, on a commencé à travailler ensemble. Sauf à un certain moment donné, dans ce même lot, certains avec d'autres objectifs différents des autres. Il fallait éliminer d'autres au détriment des autres. Comme acte concret, il ne serait-ce que ces deux éléments, je n'ai pas besoin de citer plus de... Et le troisième élément, vous le savez bien, madame, même si parce que nous ne sommes pas sur la planète Mars, vous avez vu pendant les 11 mois que j'ai eu à faire, les 11 mois comparativement aux 10 ans que vous avez eu à passer ici, vous pouvez vous faire la différence. La différence qui ne serait que les actes que j'ai eu à poser. C'est l'occasion maintenant de dire devant le peuple de Guinée et devant monsieur le président du tribunal que. Si nous voulons parler de démocratie, j'ai œuvré à cette démocratie. Voilà. Malheureusement, les hommes avides de pouvoir, que les Guinéens ne veulent pas, que les Guinéens ont peur de me dire pendant plus de 10 ans, ne veulent pas, ils sont dans les salons en train de manger. Malheureusement, monsieur Alpha Condé, je le dis et je réitère. En a transformé autrement. Oui, malheureusement. Vous devez laisser l'accusé parler seul. Alors, si malheureusement, vous prêtez les termes, voilà. Il en a profité l'occasion pour changer les normes de cette démocratie. Les normes de cette démocratie. Malheureusement. D'autres questions, madame, pas de commentaires. Est-ce qu'à l'époque, la Guinée, les Guinéens n'ont pas été vus sur la chaîne nationale et internationale en train de pleurer, en train de crier leur paix? Des questions en rapport avec le fait. Je continue. Donc, vous avez parlé de certains actes et des actes du développement. Les 22 millions de dollars que j'ai mis dans votre caisse, est-ce que je l'ai mis dans ma porte? Ça, c'est un acte de patriotisme. J'ai fait appel à la commission internationale. Oui.
j'ai parlé de créer une commission nationale à l'État pour gérer nos propres problèmes. Et je pense que c'est dans cette situation où on a pris l'État de magistrats passer par là que je ne m'inquiète pas. Donc, je ne peux pas dire que le ministre de la Justice, alors, n'a pas joué son rôle. Par rapport à ce qui est en train de se passer, monsieur le président, depuis le matin, nous assistons à des questions qui n'ont absolument rien à voir avec les événements du 28 septembre. Le président Davis qui comparaît n'est pas là pour faire le compte rendu de la gestion de son gouvernement, de la manière dont il a pris le pouvoir, pourquoi il l'a pris, qu'est-ce qu'il n'a pas fait en tant que chef de l'État. On parle du 28 septembre. Tout ce qui n'a pas trait à ces événements-là ne doit pas lui être demandé. Il faut qu'on circonscrive les choses pour pouvoir évoluer efficacement dans ce dossier. Nous estimons qu'on perd assez de temps sur des inutilités. Inutilités utilisées dans le sens de faits ne concernant pas les événements du 27. Quand on va aujourd'hui jusqu'à présent, est-ce qu'il peut dire quel acte de démocratie il a posé? Qu'est-ce que ça a à voir avec le 27? Rien. Absolument rien. Quand on va jusqu'à donner l'exemple des maires, je ne sais pas pour faire quoi. Circonscrivons les choses, monsieur. Nous voulons bien que la vérité est claire, mais dans cette condition, il faut agir sur les paramètres de la vérité. Voilà. Je pense que chacun aura compris. Et finalement, je prendrai les précautions pour agir dans le sens de la question que vous allez vous donner. Merci beaucoup, madame. Merci, M. le président. Qui va vous remarquer encore une fois dessus? Ceux de la défense avance. Monsieur le Président, on est dans un procès pénal qui est caractérisé par l'oralité. Et dans ce procès pénal, Monsieur le Président, nous jugeons non seulement les faits qui sont portés devant votre tribunal, mais aussi la personnalité de l'accusé qui comparaît à la part. Il est tout à fait important, monsieur le président, pour la lenteur du tribunal, pour la compréhension du tribunal, monsieur le président, que nous posions des questions sur la personnalité de l'accusé qui comparait. Qu'on comprenne comment il est venu au pouvoir. Nous sommes les représentants de la société, que cela soit compris. Quand on est là, on représente la société qu'il est. Et cette société a besoin de savoir ce qui s'est passé dans ce pays. Sur le présent, qu'on ne s'attarde pas sur des questions sur le national de l'État. Qu'on nous laisse vraiment évoluer. Si vraiment on pose des questions qui ne sont pas en lien avec les faits qui sont portés par ce tribunal-là, seul, sur le président, pour rendre le médaille. Mais pour le moment, laissez partir au procès. Vous êtes allé pour tout. Si vous voulez, ne revenez pas de ce qu'on a dit. Mais encore une fois, monsieur le président, on ne laisse pas évoluer. Bon, sur la question, il y a la partie civile veut dire quelque chose. Sur la question, vous voulez continuer. Attendez, s'il vous plaît. Sur la question, la partie civile va dire. La représentant aussi de la partie civile. Un seul va parler. Et je suis prêt que les doyens de son sang viennent terminer. Et je suis prêt que les doyens de son sang viennent terminer.
plusieurs bâtiments. D'abord, commencer par la première, parce que c'est pas, parce que Kamara n'est pas le premier à construire à comparer la partie. Il a eu des précisions. Et parce que personne n'a oublié les questions. Plusieurs nations ont été posées ici. Les questions de moi ont été posées ici sur les débits de poissons, sur la consommation d'alcool à certaines activités. Ils sont passés à la base du tribunal. Et ça, ces questions avaient été posées par la défense. Et il avait été interdit au tribunal en ce moment de dire même à l'accusé de ne pas répondre à des questions qui n'avaient pas trait, à des questions qui n'avaient pas trait ou fait pour lesquelles ils n'ont pas été devant ce tribunal. Aujourd'hui, on estime que les questions qui sont en train d'être posées sont des questions vraiment, ne pas dire la majorité, contraires au fait, au contraire des événements qui sont déroulés le 27 septembre 2009. Donc, je pense que vous voudrez que tout le monde accepte, surtout les conseils acceptent que leurs clients puissent répondre aux questions qui vont leur être posées à la part de ce client. Pourquoi à l'entame, je dis toujours les droits à l'accusé qui est devant ce client. Je dis toujours qu'il a le droit de répondre ou de ne pas répondre. S'il veut vraiment répondre, il peut répondre par oui, par non, pour dire tout simplement je ne veux pas répondre à cette question. Et qu'on se demande le tribunal après cela. Mais ce n'est pas un conseil qui va venir dire qu'on est en train de le retarder. Donc, et si on est en train de retarder ce tribunal, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis très longtemps. Parce que les questions sur les délits de poissons ont été posées ici. Est-ce que vous buvez de la bière? Toutes ces questions-là ont été posées ici par la défense. Et en ce moment, le tribunal ne pouvait même pas arrêter les questions. Donc, il faut qu'on continue, il faut accepter qu'on continue, s'il vous plaît. Accepter qu'on continue. Les questions, ce sont les partis, ce sont les conseils des partis. Le ministère public pose des questions. Vous-même recensez ces questions, si vous voulez dire vraiment le tribunal, recensez ces questions, que ces questions ne viennent pas. Que ces questions ne viennent pas. S'il vous plaît. Voilà. Pour une fois, acceptons qu'on avance. Acceptons qu'on avance. Et rappelons-nous que les accusés sont passés ici, et on leur a posé toutes sortes de questions. Toutes sortes de questions leur ont été posées. Les questions étaient posées ici qui n'avaient pas du tout trait pour faire. Ça s'est passé ici devant nous. Donc, acceptez qu'on pose des questions. Nous, dans les sous-camarades, pour qu'on puisse avancer. Continuez le temps. Merci, monsieur le président. Monsieur Moussala Assama. Depuis la semaine dernière, parlez régulièrement de monsieur Sénou Dalika. Aujourd'hui, peu avant la suspension, vous avez allé que vous alliez. Mis tout en œuvre pour que le leader politique qui a été blessé soit pris en charge au niveau de l'hôpital psychiatrique ici. Je vous invite à œuvrer ceux qui ne sont pas les plantés pour les soins plus appropriés ici en tout. N'est-ce pas? Il semble que ça n'a pas été facile pour ce monsieur de vous appeler. Il y a un plan qui demande. Je n'ai pas compris toute cette partie. Il semble que ça n'a pas été passé. À ce que le monsieur Maman Marcel Villa de Diallo n'a pas été passé. Et par rapport à la prise en charge. Par rapport à une prise en charge hospitalière en partie de l'État. Non, je n'ai pas parlé de la prise. J'ai parlé de la prise de pasteur ici. Et j'ai été clair, j'ai dit. J'ai donné
le feu vert, c'est à l'époque, c'est un jugé nécessaire d'aller se prêter à l'extérieur, c'est-à-dire d'aller se prêter à l'extérieur. Donc, je n'ai pas parlé pour les soins intensifs de l'extérieur, je parlais du calme. Simplement par le chef, j'ai ajouté des autres leaders. Suivez, essayez de comprendre ce que j'ai en train de dire. J'avais dit que ce place ici, ils ont une voix des seuls sur vos individus, n'est-ce pas? Et vous avez rajouté que ceux que vous voulez, la volonté de se rendre à l'étranger, vous avez donné des instructions pour qu'ils s'y rendent. N'est-ce pas? Et puis maintenant, que la sorte de M. Mamba de Sécurité de Diallo n'a pas été facile. Selon ces déclarations, je le dis pour vous. Il dit, mardi à la nuit, le président Bach m'a appelé pour me faire part de son intention d'envoyer un avion pour m'envoyer à Dakar. Je l'ai informé que les dispositions sont prises pour le recevoir en France et que je préfère plutôt aller à Paris. Une réservation est faite pour moi sur le vol d'Air France du mardi 30 septembre. Ce jour-là, vers 16h, j'ai appris de plusieurs sources que les autorités du CNPD n'étaient pas disposées à me laisser sortir. Effectivement, lorsque j'ai envoyé à l'aéroport Dr Mariga pour faire les formalités, mon passeport et mon billet furent confisqués et il fut notifié que je n'étais pas autorisé à quitter le territoire. Le conseil interreligieux 6 par l'ambassadeur de France à Conakry, d'un côté, et le président Ouad et 5 ministres, le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, l'autre, réussiront plus tard dans la nuit à convaincre le président du CNPD à me laisser sortir de l'endroit pour son quand ça m'a eu des envahis à la fin des passeurs, ça suppose que
C'est de la bonne volonté et c'est ça qui fut fait. Contrairement à la question que vous voulez poser, à l'ancien du camp,
à l'enceinte du camp, ils ne pouvaient rien parce que c'est là-bas où le président. Mais ailleurs, à l'extérieur, après le camp. Donc, à l'intérieur du camp, les forces les plus importantes, c'est celles de colonel Kédo et de colonel Kolpi. Oui ou non? Non, pas les forces les plus. Il faut dire que les forces les plus. Voilà, deux forces redoutables. Il faut le dire ainsi. Deux forces redoutables. On va pas dire ça. Je ne réponds pas à cette question parce que nous ne sommes pas là pour un problème de coup d'État et ceci et cela. Vous ne voulez pas me comprendre. Donc, je ne réponds plus à cette question, monsieur le président, et vous lieu sur les préfets. Je ne réponds plus à cette question. S'il vous plaît. Je dis, monsieur. J'ai des déclarations, je l'ai dit pour vous. Je l'ai dit à l'ancien du camp, les éléments du colonel Kédo et ceux de votre pays étaient les plus forts. Oui. Je dis bien que ces éléments ne pouvaient pas rester au camp et que Sekouba et Toumba parviennent effectivement à vous remercier. Très bien. Donc, à l'essai du camp, personne n'a pouvait avoir le contrôle du camp, n'est-ce pas? Je n'ai plus de réponse à cette question. Je ne suis pas là pour rentrer dans la condamnation. Non, je dis bien que je n'ai plus de réponse à cette question. Je ne suis pas là pour parler d'un problème de coup d'État. Respectez mon droit au silence. Respectez monsieur Kamara, si vous dites que vous ne répondez plus, alors Kamara, vous pouvez arrêter de parler maintenant. Voilà, je ne réponds plus à cette question. Est-ce que dans ces conditions, quand vous dites que tout le avec le contrôle du régiment, cette déclaration est prête au quartier? Je n'ai pas de réponse. J'ai déjà parlé. Ça dépend de la façon de comprendre. Il y a le tribunal qui est là, le tribunal est bien placé pour savoir les actes qui ont été posés par les actes qu'on va lui apposer. Ce n'est pas à moi de juger et je n'en parle pas de ça. J'ai déjà fait des développements par rapport à ça. Je ne suis pas un juge, je suis un accusé. Est-ce que vous avez dans ces conditions, est-ce que Touba aurait pu être le commandant du régiment en face de deux postes hostiles qui ont été posés? Est-ce que c'est possible, mon capitaine? J'ai été clair avec vous, je crois que c'était hier, j'ai dit que dans ses déclarations, il a reconnu l'autre blanc. Lorsque je disais que les autres ne le savaient pas, comment j'étais le commandant du régiment, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et si il est parvenu à la dire, même s'il n'y a pas eu un accès, ça veut dire que c'est une usurpation de pouvoir en matière de droit, cela, en matière de droit pénal, c'est à corriger, c'est à sanctionner. Même s'il n'a pas un accès, mais le simple fait qu'il ait joué ce rôle, aller sortir 26 éléments du camp, écrit noir sur blanc, et devant le président du tribunal, il reconnaît qu'il a été commandant du régiment, mais ça ne dépasse pas. Les faits sont têtus. D'autres questions? Quelle est la question? Mon capitaine, vous savez, moi je voudrais que vous acceptez de répondre aux questions qu'on pose. Quand vous faites le commentaire, tout le monde se perd. Moi je vais poser la question, d'abord la question de savoir, est-ce que c'est Touba qui avait le contrôle du temps? Visiblement, ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Je ne réponds pas à cette question. Très bien. Est-ce que si les forces, les autres forces redoutables, que vous appelez redoutables, le colonel Kédo et celle du colonel Kédo qui vit, sont celles qui contrôlent le camp, et par la suite, il est amené, et ce sont ces éléments-là qui sont allés perpétrer les massacres de Constantin. Est-ce qu'on ne peut pas logiquement déduire que ce sont des forces qui étaient sous la responsabilité de ces deux officiers? Est-ce qu'on ne peut pas les incriminer? Vous confondez, vous êtes un homme de droit, vous confondez le rôle des militaires. Ici, vous êtes en train de parler de dire des hommes forts. Dans l'armée, il y a ce qu'on appelle force
opposée, une force opposée empêche, même si l'intéressé a une puissance, mais dès lors qu'il y a une force opposée à l'intérieur, une force opposée, l'intéressé ne peut pas atteindre ses objectifs. C'est ce que je veux dire. Maintenant, quant à savoir le degré qui tient le camp pour ça et pour ça, je ne réponds pas à cette question. Est-ce que dans le jugement, ce ne sont pas des hommes qui sont choisis justement en raison de leur compétence et de leur loyauté envers le chef? Ici, le jugement, je veux être très clair, très sincère. Je ne suis pas quelqu'un qui passe pour. C'est la confiance que j'ai portée à M. Toumba, je l'ai portée aveuglément confiance. Ça, je le reconnais, je l'ai porté aveuglément confiance. Qui fait que même lorsque ces trois éléments n'exerçaient plus leur fonction, je le voyais exercer comme adressé cette fonction. Mais puisque j'avais confiance en lui, et en matière de pouvoir, c'est la confiance. Est-ce que c'est des joueurs? Ce ne sont pas des militaires compétents et qui sont loyaux envers leur chef, qui sont recrutés. C'est la question. Parce qu'on ne réponds pas à n'importe qui dans un régiment présidentiel. Je ne réponds pas à cette question. Vous ne pouvez pas répondre. Très bien. Dans ce cas, je vais poursuivre. Quand vous étiez aux affaires, mon colonel, vous avez reçu des armes. Mon capitaine, je suis capitaine et je vais respecter ses grades jusqu'à ma dernière demeure. Rectifiez mon capitaine. Mon capitaine, rectifiez mon capitaine. Il a rectifié. Je ne sais pas vous voulez. Vous savez, je n'ai pas beaucoup de notions militaires, mais quand quelqu'un est capitaine dans la paix, je l'ai dit, c'est mal de respect. Posez des questions, mais. Est-ce que pendant votre régime, vous n'avez pas reçu d'armes venant de la Libye? Non, je n'ai reçu que des pick-up. Des pick-up. Quand monsieur Toumba Tchéfi était à cette barre, il a déclaré que les jours qui ont précédé les événements du 27 septembre, un camion a été chargé d'armes qui devait servir à la répression. Est-ce que vous maintenez, qu'est-ce que vous avez dit? Ça n'engage que lui. Est-ce que vous savez qu'à cette occasion, il y avait le maître camp du colonel général Conradi qui était présent? Est-ce que le camp sont bons? Je ne connais même pas l'être dans le national, c'est pas. Est-ce qu'il est possible pour un chef d'État, dans un régime militaire aussi urgent, qu'un camion soit sans état sans que le chef de la junte soit comprend? Est-ce que c'est possible? Ça peut arriver si les éléments sont mal intentionnés, et c'est pour ça d'ailleurs. Généralement, quand vous apprenez, le plus souvent, que certaines situations ne marchent pas, parce que quand les intéressés ne sont pas honnêtes, c'est là où généralement ils parviennent à faire. Donc, vous n'étiez pas au courant? Je n'étais pas au courant. Est-ce que vous avez des services de l'enseignement militaire à l'époque? J'étais à votre service, mon capitaine. Vous avez des services de l'enseignement militaire? Et pour rassurer une fois de plus, vous avez entendu M. Toumba. Est-ce que vous aviez un service de renseignement militaire? Service de renseignement militaire? Oui. Bon, à l'époque, j'en avais oui. Alors, est-ce que, oui, dans un état, pour le chef de l'État, pour l'accent qui est mis sur la sécurité du président, parce qu'il est venu par la force à l'agent du pouvoir, est-ce que ce n'est pas un service? Ce n'est pas le service qui pourrait vous informer de ce qui se passe à l'intérieur du camp. Est-ce que vous n'avez jamais informé qu'il y avait un camp, qu'il y avait un camion rempli d'arrogance? C'est possible ça? On va le faire. Est-ce que pourquoi le service de renseignement, il ne faut pas aussi trop compter sur le service de renseignement? Il faut seulement avoir la chance d'avoir de
les hommes honnêtes sincères pour t'informer. Sinon, le renseignement en tant que tel, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer sans que vous ne soyez informé. Ça fait une voilà. Non, minute, s'il vous plaît. Allez, allez, allez. S'il vous plaît. Je vous donne un seul exemple. Je vous donne un seul exemple. Imaginez, à l'enceinte du camp Al-Fayyar, moi, je suis là-bas. Dès après la prise du pouvoir, qu'on arrête mon ancien qui a fait le cours d'état-major avec moi. Je ne suis pas informé. Imaginez, je ne suis pas informé. Il a fallu, général Mawa, m'informant que est-ce que vous savez. Donc ça veut dire quoi? Je veux vous dire quoi. Mais je veux vous dire, il n'est pas obligatoirement dit que le service de renseignement peut être fiable. Si vous n'avez pas la chance que vous soyez informé, il peut y avoir beaucoup de choses. C'est juste un peu cette. Le renseignement militaire. Il y a un peu de temps. Bon, allez-y. Oui. C'est là également que M. Koufa Gagné explique de la nuit. Est-ce que vous voulez faire cette déclaration? J'ai déjà parlé. Je dis que je ne le verrai pas. J'ai dit, supérieur. J'ai dit, maître, j'ai dit bien que je n'ai plus de réponse à cette question. Je ne vous ai pas. N'est-ce pas? Posez d'autres questions, il a répondu. Monsieur le président, vous savez par quoi c'est avec les vrais poursuivre. Donc, mais surtout à l'église, selon vous voyez le commandant de l'État, il a les clés de la voie de l'État. N'est-ce pas? C'est ça? J'ai déjà répondu à cette question, mais. Très bien, je ne vais pas. Mais maintenant, vous vous buvez tout cet argent. Évidemment, il y a une rivière qui a conduit à un arbitrage entre le premier niveau. Et M. Touadé, c'est là qu'il est dit au fait que le premier niveau avait arrêté quelques éléments du problème de l'environnement. Est-ce que vous mettez cette déclaration? Reprenez la question. Je dis, oui. À un moment donné, le premier niveau a arrêté une dizaine d'éléments du mandat. Et c'est là qu'il y a un niveau au sein du cas, n'est-ce pas? Oui. Et vous avez refusé d'intervenir. Parfait. Est-ce que vous avez vu ces éléments qui avaient été vous dites? Est-ce que vous les avez rencontrés au moment des faits? Puisque quand même, c'est votre cas. Et ces éléments sont dans la présentation. Ce n'était pas. Moi, je ne suis pas allé là-bas pour aider les gens. Je suis allé parce qu'il y avait. Il devrait y avoir un affrontement entre ces deux points. Ces éléments étaient à l'ancien du camp Al-Fayyar. Donc, venez-vous dans les zones qui connaissent les groupes. S'il vous plaît, moi, c'est les bruits que j'ai entendus, les deux forces. Je ne pouvais pas rester. Je suis sorti pour aller les calmer. Donc, je n'ai pas cherché à savoir X ou Y sont arrêtés, non. C'était au camp Al-Fayyar, bien sûr. Bienvenue dans les jours, vous prenez le bureau, n'est-ce pas? Oui, quelle est la question maintenant? Oui, c'est pas la question. Est-ce que c'était dans les jours, vous prenez le bureau? J'ai dit, c'était à l'enceinte du camp Al-Fayyar. Ils étaient tous les deux, mon capitaine. Exactement. Ils étaient, les éléments étaient à la devanture du bureau du colonel Kébro, ils étaient en train de les auditionner. Est-ce qu'il n'était pas dans un local? Il n'était pas en train de local. Ça m'engage pour vous mettre. Ce que je viens de décrire. C'est une question que vous avez posée. Voilà. Ça, je ne sais pas. Je suis allé simplement calmer les deux unités. Mais quand on vous dit, mon colonel, que ces éléments étaient des mouvements, dans les cachots là-bas, est-ce que vous pouvez voir? Mon capitaine. Décidément. Donc, là, je suis Camara. Voilà, monsieur Camara, encore bien avec moi, mon capitaine. Parce que j'adore ce genre. Mon capitaine.
Très bien. Est-ce que vous avez des éléments là à amener dans les yeux du colonel Trigo? Est-ce que c'est logique? Comment il est fait? Puisque le colonel Trigo avait ces genres d'acquisitions, le grand banditisme et les pillages, les vols à main à main. Donc, monsieur le président, vous n'avez pas laissé finir ou bien? Voilà, donc, alors si il a jugé nécessaire de traquer ces éléments, où est le problème? Des témoignages concordants ont été établis pour que ce soit des conduites vocales et maintenues dans ces lieux. Est-ce que vous étiez au courant? Non, je n'étais pas au courant. Au capitaine, tu as l'homme, le service de renseignement sur le supérieur, Pouma et le commandant du régiment, il y a deux forces contraires qui se trouvent au camp. Finalement, qui commande la ville? Vous dites? Finalement, qui commande le pays? Mais le pays était commandé par qui? Je pose la question. Non, le pays était commandé par qui jusqu'au moment où le capitaine a dit ça. L'exportation? Oui. Comment? Pour frapper le pays et le commandant du régiment, l'armée vient tout en bien et incapable de mettre un sourire. Comment vous expliquez ça? Ça, je n'ai aucune explication à vous donner par rapport à ça. Nous sommes là, ici. Ce qui est important, c'est quoi? Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Toumba fait ceci, cela. C'est le départ de Toumba au stade, à l'ensemble du stade. C'est ce qui est le plus important. Le reste des détails, je ne m'occupe pas de ça même. Est-ce que vous avez écouté des instructions pour l'arrêt pour aller être appelé? Oui, j'ai été clair. Quand il est parti au stade sans mes instructions, j'ai décidé de le mettre aux arrêts. Et parallèlement à ça, puisqu'il était aussi puissamment armé, est-ce que vous êtes clair? Vous voulez me laisser parler au bien couvert, je ne le comprends pas. Non, s'il vous plaît. Je n'ai plus de questions à vous. Puisque vous voulez aller au bout de vos idées, vous ne voulez pas aller au bout de mes idées. Non, je n'ai plus de questions. Continuez. Et ce cas de mort,
à s'opposer même à cette époque, que lui-même il perdait la vie. Aujourd'hui, devant ce tribunal tournait, on aurait dit non, mais pourquoi vous n'avez pas voulu passer au point d'adresse par la justice pour bien pour moi-même que je perde la vie, mais le procès n'allait pas avoir son sens. Donc, l'idée vers laquelle je n'ai pas arrêté, j'ai eu l'intention, mais si par après, je n'ai pas procédé comme adresse, je ne suis pas allé dans cette intention, j'ai jugé nécessaire de faire appel à la communauté internationale. Mais vous savez, mais avec la communauté internationale, la communauté internationale n'a ni gendarme ni soldat. Mais c'est la justice. S'il vous plaît. C'est la justice. S'il vous plaît. Si la communauté internationale dont vous parlez, elle n'a ni gendarme ni soldat. C'est le pays où vous êtes dans un pays la guerre. C'est ce pays-là qui doit poser des transactions. Dans un sens, vous n'allez pas aller. Alors, je vais passer. Non, vous n'allez pas passer de l'église. Laissez-moi parler. Ce n'est pas une question. Posez la question. Je voulais juste vous dire. Ce n'est pas une question, M. Pamar. Merci. Donc, M. le Président, vous m'avez dit que c'est pas bon. D'accord. Et je crois que j'ai été, lors de son passage à cette barre, à l'Ukraine, et c'est vous qui avez incité les deux de nous à aller commettre le carnage, en prononçant des phrases, des mots, comme ils vont le répéter, allez les manquer. Est-ce que logiquement, avec le recul, vous n'avez pas été très bon? Vous connaissez ça, mon café? Non, pour la simple raison. Mais même homme qui a pris le coup de courage de tirer sur moi, peut-être que par la grâce de Dieu, vous êtes vivant, quelle sorte d'allégation ce homme ne peut pas porter à votre famille? C'est la réponse. D'abord, le contrat
père bienvenu. C'est pas moi qui l'ai envoyé à, à ce poste. Oh. Le premier bienvenu, j'ai eu son bébé. Mais j'allais pour les bébés depuis le Burkina Faso avant d'être là. J'ai lu son PV dans le PV que c'est écrit. Ils disent qu'il a été envoyé, je crois, il a été invité par le colonel Jacques Touré. Ce n'était même pas mon temps, ça c'était le temps de faire le général Lassalle. Donc, il a été envoyé au centre-compte, est-ce que vous avez la centre-compte? Voilà, c'est pour quand vous êtes venu, oui. Dans le cadre de la consultation de votre pouvoir, il vous a que vous l'avez nommé comme directeur du centre. Non, il viendra ici si le président vous souhaitez pas. S'il viendra, le président pourra poser la question de savoir qui lui a encore renommé directeur du centre de Kalea. Mais moi, je ne l'ai pas fait. En fait, est-ce que vous avez appris que j'ai réussi pour faire des dégâts de tellement massacres au stade? Est-ce que vous avez appris ça? C'est une information que personne ne peut. Parce que ça, depuis bien avant même que je reviens, bien avant même que tout le monde parlait de Kalea de Kalea. Très bien. Il y a eu 300 jeunes qui ont été mobilisés et entraînés au camp Alpaya et Bello, les jeunes qui ont précédé le massacre. Est-ce que c'était possible que ces recrues-là restent dans ce cassant que vous avez trouvé au fond? Est-ce que c'est possible? Bon, par rapport à cette question, mais avec tout le respect de chef Kobo, je ne parlerai pas à la place du général Simba et d'ailleurs. J'apprécie même un des avocats très chevronnés qui a même dit ici que 9000 recrues. Alors, je pense que cet avocat ne savait pas comment le recrutement s'était passé. Il dit 9000 recrues dans une région. Aujourd'hui, le général Sénéfa qui vient en face, devant le président du tribunal. S'il vous plaît, laissez-moi. Je vais au bout de mes idées. Si vous ne voulez pas, on arrête. Monsieur Kamara, Par rapport à cette consultation. S'il vous plaît, monsieur Kamara, si vous faites trop de commentaires, on va vouloir vous arrêter. C'est pourquoi il faut répondre aux questions de voir de quelle façon la plus simple. Si vous rentrez dans trop de commentaires, vous pouvez être le recruteur par ses patientés, voilà, il va pouvoir vous arrêter. Bien porté, monsieur. La question est. Madame la directrice, comme je le disais, est-ce qu'il est possible que 300 recrues séjournent pour 400, pour 400 ans et à l'eau, siège sur votre gouvernement, siège la présidence à l'époque? Pendant les jours, est-ce que c'est possible? Je n'ai pas de réponse à cette question. Est-ce que vous savez que ce sont ces rues-là qui sont allées s'aimer, qui sont allées créer de tels nombre de dégâts pour ça, pour la garder? Je n'en sais rien. Est-ce que vous avez appris qu'il y a plus d'une centaine de tués au stade? Plus d'une? Plus d'une centaine, 150 tués. J'ai appris comme vous. Est-ce que vous avez appris que ce sont les deux de la carte présidentielle qui sont en grande partie responsables de ces massacres? J'ai appris aussi comme vous. Est-ce que ces cartes présidentielles n'étaient pas sous la responsabilité du président d'alors, vous, en tant que président de la République et commandant de l'Égypte, est-ce que ce n'est pas directement de vous? Au moment des faits, si ces hommes désobéissent le président de la République, ils ne peuvent que prendre les conséquences. Ceux qui sont allés faire au stade, ils vont reprendre à leurs actes. Est-ce qu'après ces massacres, vous avez dit ici que vous avez appris dans un nombre de 10 heures, n'est-ce pas? Et les massacres pour les on vous a réveillé, vous vous êtes pour les faire. On est ensemble pour passer. Quelle est votre question? La question précise. Attends, c'est très précis.
Le taux de 27 ans, quand les deux ont allé signer la mort au stade, à quel moment vous avez été informé de votre affaire? Il a été très clair, je dis que je suis informé dans la matinée, parce que je viens à Cabo. C'est en ce moment. Je me suis précipité pour me rendre au stade en plus de calmer, les gens, la population. Ça c'était avant. C'est en ce moment que M. Toumba et Eupro m'ont dissuadé pour vous faire rentrer au bureau. C'est entre-temps, plus tard, que je fus informé que M. Toumba était au stade et qu'il avait eu des morts. Vous avez appris qu'il a eu le massacre. À quel moment de la journée? Bon, je crois que ça c'était dans l'après-matinée. Hein. Votre décision d'aller au stade, c'était d'empêcher la manifestation, n'est-ce pas? Ce n'est pas empêcher. C'est un point différent. Sans calmer, sensibiliser, empêcher le problème. Est-ce que votre cortège, il est composé d'une douzaine de groupes, n'est-ce pas? Est-ce que si vous vous rendiez au stade, le bilan n'allait pas être plus large? Merci pour la question. Et c'est pour ça d'ailleurs que je dis, quand Dieu veut te protéger, Dieu te protège. Pourquoi? La question est bel et bien pour vous. Qui sait d'ailleurs si je sortais ce jour-là au stade, moi-même je n'allais pas perdre la vie. C'est là la puissance de Dieu. Sinon, rien n'était là pour dire que j'allais pouvoir calmer cette marée humaine. Si, c'est un double facette. C'est ce que je dis, mais je dis bien. Oui. Je dis bien. Oui. Rien n'était prévu que si je m'y rendais au stade et qu'au titre, j'allais pouvoir sensibiliser. En cas de chat, j'allais perdre la vie. Ou alors, vos hommes auraient ouvert le bus, n'est-ce pas? Bon, ça, moi d'abord c'est ma vie que je parle. Ah, donc la vie des autres. Non, quand je dis c'est la vie, ouvrez le. La vie au moment où Attendez. Quand je parle de la vie, je veux dire, l'idée qui m'animait pour aller calmer les gens, est-ce que je n'allais pas perdre la vie si je me rendais ce jour? C'est ce que je veux vous faire savoir. Vous connaissez que vos éléments, la date des âges qui est hostile. Et on aurait ouvert le pays aussi, sous les manifestants. C'est une possibilité, non? Oui, c'était une possibilité. Voilà, très bien. Donc, c'est déjà formaté à l'idée de reculer. Pour ça, je pense qu'il faut juger les faits tels que ça s'est passé, les actes, les comportements, la désobéissance. Il faut comprendre dans ce siège même. On ne va pas essayer de faire une manière afin de défendre quelqu'un qui est parti sans ordre au stade et qu'on vient me poser ces questions. Je ne répondrai pas à ces questions. Mais je ne répondrai pas à ces questions. Je ne parle plus maintenant de l'affaire de M. C'est bon, hein, monsieur Kamara, c'est bon. D'autres questions. On va vous soutenir. Dites-moi, selon vous, qu'est-ce qui a produit les leaders à organiser cette manifestation? Est-ce que ce n'était pas à cause d'une crise qui existait à l'époque? Je ne dois répondre à cette question. Mais je suppose que c'est une crise. Est-ce que cette manifestation, elle n'était pas dirigée contre le CNDD et votre personne? Je ne dois répondre à cette question. Très bien. Est-ce que ce n'est pas parce que c'est dirigé contre votre personne et contre le CNDD que les personnes sont allées massacrer les gens au stade? Je n'en sais rien. Vous voyez la logique, n'est-ce pas? Sans
ça n'empêche que vous. Très bien. Avant de venir cette année, on va aller dans cette quelques jours avant, est-ce que vous êtes venu à Bayeux pour sensibiliser les salles? Non. Non, je n'ai pas à Bayeux. Non. Il y a une vidéo. Avant de venir cette année, c'est-à-dire avant même de vous partir à l'heure, pour aller expliquer aux salles que les forces vides ne représentent absolument rien. N'est-ce pas? Ne prenez pas des anciennes vidéos ici. C'est les gens de Posa qui m'ont invité ce jour. Oui. Mais ce n'était pas la veille du 28. Parce que la veille du 28, c'est quoi? Les gens sont venus me voir. Ça n'a pas fait deux jours. J'ai fait mon voyage sur la ville. Donc ça, c'était bien avant. Oui. C'est les hommes de Posa qui m'ont invité. Oui, à cette occasion, vous avez dit bon, et les leaders ne représentent absolument rien, n'est-ce pas? Est-ce que vous étiez opposé à la manifestation du 20 septembre au Colombo Capitaine? Je n'étais pas opposé. Alors pourquoi vous avez déclaré le 20 septembre jour férié? Pourquoi? Jour férié? Oui. Vous voulez que je parle un peu aussi de l'histoire? Jour du 20 septembre jusqu'au 2 septembre. Pourquoi? C'est long. Bon, selon moi, si j'en allais, le 28 septembre, et il va s'enchaîner directement au 2 octobre. Il va s'enchaîner, il y a combien de jours pour le faire? Bon, ça vous, que le savez, il y a combien de jours? Moi, je ne fais pas pour ça. C'est... Mon père, c'est parce que vous étiez contre cette manifestation et vous êtes passé par tous les moyens. C'est moi qui ai créé la date du 28 septembre. Vous ne posez pas de questions. Vous ne posez pas de questions. Oui. Donc, vous étiez contre la manifestation. J'ai vu les mandats qui étaient dans la. Je n'étais pas contre la manifestation, mais. J'ai vu les mandats qui étaient les banderoles qui avaient été déroulées pour cette manifestation. Mais ça a toujours été comme ça, en Guinée, les intoxications. Même si c'est écrit, je ne sais pas, c'est Jupiter, ça a toujours été comme ça. L'instrumentalisation. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez voulu vous éteindre au pouvoir qu'il y a eu la crise qui a conduit à la manifestation du 28 septembre? Ça n'engage que vous-même. Il y a plusieurs éléments. Je dis que je ne réponds plus à votre question. Je ne réponds plus à cette question. Voilà. C'est pas ça. Voilà. Mon capitaine, vous avez tous dit que vous êtes contre la démagogie, n'est-ce pas? Posez votre question. Mais c'est une question. N'est-ce pas? Et pendant votre règne, plusieurs mouvements de soutien ont proliféré, n'est-ce pas? Notamment le mouvement d'Addis va rester. N'est-ce pas? Mais ça, ce sont des opportunistes. Oui. Mais ils sont entretenus par votre régime. Oui, mais comme vous pouvez les entretenir à l'époque aussi, si vous étiez aussi de proche du CNDD. Des opportunistes, ça se voit. Mais ce pays-là, on le connaît. Hein? Des opportunistes. Hein? Pourquoi avoir entretenu ces mouvements de soutien? Pourquoi? C'est moi qui les ai appelés. J'ai mis des opportunistes, ceux qui l'ont soutenu, ça n'engage que. Voilà. Ça n'engage que. Ceux qui ont soutenu ce mouvement, ça n'engage que. Quand vous êtes venu au pouvoir, vous avez promis la démocratie, n'est-ce pas? L'organisation d'élections libres et transparentes, vous transférez le pouvoir à aux civils, n'est-ce pas? À quel moment vous avez laissé trahir le peuple? À quel moment vous avez laissé trahir le peuple? J'ai laissé le trahir le peuple. Donc votre question n'a plus de sens à mon niveau. Répondez à la question. À quel moment? Je ne réponds pas à votre question. La question n'est pas dite par rapport à ce que vous dites par rapport à ma personne. À quel moment vous avez laissé le régner à votre servant? Je ne réponds plus à cette question. Pourquoi
avec votre promesse. Pourquoi? Ça n'engage que vous, maître. À quel moment vous avez essayé de garder le pouvoir, mon capitaine? Ça n'engage que vous-même. Quelles en sont les raisons? Je ne sais pas. Très bien. Vous pouvez poursuivre. Maintenant, on va venir à votre voyage à l'âme, si vous permettez. Vous êtes allé faire un meeting grandiose à la Bélésoire, le 26 septembre. Quelle est votre question? N'est-ce pas? La question. J'ai écouté la vérité quel jour? Le premier. J'ai déjà parlé longuement. Justement, il y a un problème à ce niveau. Oui, je n'ai plus revenir là-dessus. J'ai écouté la vérité samedi, n'est-ce pas? Je ne sais pas, j'en ai déjà parlé, je n'ai plus revenir là-dessus. Très bien. Est-ce que votre visite à la vie, avec un arsenal de guerre, avec des avions de chasse, des avions de combat, n'était pas un moyen pour démontrer votre puissance face à une nouvelle contre vos capitaines? Oh, vous pouvez passer comme vous voulez, mais ce n'est pas dans ce sens. Est-ce que la crainte des coups d'État n'a pas nourri votre technique de manipulation? Technique de manipulation. Oui, peut-être que même vous-même vous manipulez. Vous êtes un technicien de la manipulation. Bon, s'il vous plaît. Si vous devez répondre aux questions, vous répondez aux questions de façon courtoise. S'il vous plaît, la question, s'il vous plaît, me laissez parler. Vous me laissez parler. Ce qui a été dit, il n'y a rien de mauvais. Il a dit une technique de manifestation. Il n'y a rien de mauvais. Où est-ce qu'on cherche à interpréter ce qui a été dit? Donc, l'objectif au pouvoir est à la table. Si vous prenez l'initiative pour répondre à une question, répondez de façon courtoise. Je vous ai dit, si vous êtes fatigué, c'est le tribunal que vous êtes fatigué. Parce qu'on va vous poser une question. Merci, monsieur le président. Voilà, pour le président, est-ce que, après la visite de l'AD, est-ce que ce n'était pas d'ailleurs une campagne que vous aviez commencé pour votre prochaine candidature à l'élection présidentielle? Vous avez promis à l'AD. Je n'ai pas bien compris. Je dis, le fait d'aller à l'AD, ce n'est pas dans le ciel d'une éventuelle candidature pour candidature à l'élection présidentielle que vous deviez organiser. Ce n'est pas dans le ciel. Non, comme ce que j'ai fait pour l'AD, je ne l'ai pas fait pour vous. Et je ne regrette même pas parce que je l'ai bien dit ici que David ne connaît pas les uniques. Je devrais aller rendre visite à mes parents. Mais si je suis allé au Kouta, j'ai évité de tomber dans l'ethnocentrisme. Monsieur Kamara, ce qu'il dit n'a rien à voir avec vous. Il vous dit simplement, est-ce que ce n'était pas une unique campagne? Ce n'était pas ça. C'était dans le but de prouver à la population du Fouta que nous sommes tous de même. Et le président Konaté devait être le maire de l'Église, n'est-ce pas? Je ne vais pas m'aventurer sur le cas de ce point. On va se limiter là aujourd'hui.
cette affaire est renvoyée au 20 décembre 2022 pour la suite. Ah, c'est bien.